Épisode 27. Vous trouvez le bouclier miroir. Ce bouclier salue les abonnés. Et peut réfléchir lumière et énergie. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Waouh, la question débile. Personne ne va pouvoir me répondre en direct. Et du coup, on a ce magnifique nouveau bouclier du swag. Qui se marie parfaitement bien avec la tunique Goron. Et puis voilà. Hop là. Donc on continue le temple de l'esprit avec le même défi. Avec le même mob. À la con. Bonjour. Salut. Easy. Du coup, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir retirer ceci. Et voici le pouvoir du bouclier miroir. Oh. Et attention, je suis pas assez proche, je suis pas assez loin. Yeah. J'ai ouvert la porte. Est-ce qu'on peut clipper à travers le truc? Ah, c'est presque possible, je pense. Link essayait de monter au truc qui arrivait pas. Bref. Petit problème de clipping dans le jeu, peut-être. On va continuer par là. Parce que, ouais, c'est là qu'on a la boss key. Wait. Comment j'ai su? Elle est pas dans cette salle dans la version normale. C'est débile en plus, c'est vrai. C'est vrai que non, elle est pas dans cette salle. Normalement, elle est dans une salle où il y a des flammes, tout ça, des fausses portes. Bon bah. Voilà. Ouais, donne-moi la mana. Voilà, très bien. Bon, par contre, les monstres, là, s'ils apparaissent, ils vont se faire foutre. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Est-ce qu'on va en bas? Sachant que... Ouais, on va aller en bas d'abord. Parce qu'il y a des coffres et il y a possiblement des clés. Donc, du coup... Ma logique me dit, va en bas, Erwan, va en bas. Maintenant que j'ai le bouclier, je peux y aller. Donc raison de plus. Salut, au revoir. Oui, prends garde aux Stalfos qui vont arriver. Ah, parce que tu m'avertis pas pour ça. Hein, salut, hein, au fait. Oh, comment je l'ai touché? Hop là, dégage. Ah, d'accord, bon bah j'ai activé un des trucs. Qui a activé une main qui descend. Et vu que c'était pas le bon soleil à activer, du coup je l'ai activé sans faire exprès. C'est qui est beau. Voilà. Ok, on va bien se mettre au milieu. Voilà. Non, c'était pas le bon. Bon, alors avant qu'il réapparaisse encore une fois après, on va le shooter. Voilà, il est mort. Alors pourquoi ça n'apparaît pas? Quel est ce bug? Ok, il y en a un caché. Que je n'ai pas vu. Ah bah en fait non, c'est bon.
Fallait juste activer les trois, buter les trois mains. Voilà. Hop, descendant. Ok. Pas de danger dans cette salle. Peut-être de la mana ici. Non, même pas. Bon bah tant pis. Ah. Et nous voilà dans la salle du début du jeu. Et il y a un interrupteur. Okay. Un interrupteur qui va très certainement arrêter le cours d'eau. Ouais, c'est à temps limité en plus. Ok, donc on va le faire après. On va le faire après, vu que c'est limité. On va aller là d'abord. C'est quoi ça? Ah, c'est une school to la door. Bon bah ok. Je veux dire, c'est quoi? C'est un interrupteur? C'est quoi ce bidule chouettos? Je peux la shooter de là, ouais. Easy. Et une en plus. Même si maintenant, théoriquement, ça sert à rien, mais... Alors, ça va nous activer quoi? Normalement, ça nous ouvre la porte, slash, nous donne un coffre. Nous ouvre la porte. Et il doit y avoir un coffre caché, invisible, juste là. Non? Ah. Mais bien niqué, petit jeu. Ok, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Mais quoi? Ok, tout simplement. Est-ce qu'il faut buter tous les trucs? Ou est-ce que c'est comme dans le don, dans le désert? Est-ce que c'est infini? Ah putain, ok, j'ai compris. Ok, je pense avoir pigé. Faut en buter assez pour que le violet apparaisse. Voilà! Et ça fait un truc. Voilà, c'est putain, c'était ça. J'en étais sûr. Alors, sachant que ça, ça le fait même dans le désert, si vous butez assez de ces monstres verts, vous avez le violet qui apparaît qui donne pas mal de rubis. Voilà. Mais comme je suis au max, hein, je sais pas, ça... Quand j'ai vu les trucs verts, ça m'a paru obvious qu'il fallait faire ça. Un rubis, bon bah. On a fait ça pour rien. Well, fuck. Du coup, bah, récupérons ce rubis. Il n'y en a pas d'autres cachés, non. Je sais qu'il y en a un là. Bon, activons ce truc. Alors, je sais pas si avec les bottes désert ça va le faire, hein, honnêtement. Peut-être que ouais. Ouais, bon, faut apprendre à viser, Erwan, hein. Et je vais mettre le marteau ici, parce que de l'autre côté, ça m'énerve. Donne-moi une bonne vue, please. Voilà. Du coup, on va prendre ce qui reste. Et ça devrait le faire. J'ai pas des trucs, là? Ouais, rubis, bombe drop. Surtout la bombe. Est-ce que je dois récupérer en rentrant dans le temple? Non. Et ça me donne l'autre... Voilà. L'autre coffre qui va me donner une petite clé pour ouvrir la porte que j'ai vue tout à l'heure. Yoink. Voilà, exactement. On va remettre ça. Faut faire des allers-retours dans cette version. Je me souvenais plus du tout.
Brief. Quelle méthode agréable pour se déplacer. Forcément, Jean Roger n'est plus là. Bon, cette fois, c'est vraiment la dernière fois qu'on l'invoque. Je pense. Peut-être pas, en fait. Qu'est-ce que je branle? À part ma bite. Non, il fallait que j'aille là pour retourner dans la salle en bas. Bon, salut les Stalfos en fait. Hein. Ah, c'est bon, ils sont pas là. Bon, bah, c'est cool. Voilà. Les spikes. Normalement, elle est là, la clé du boss, il me semble. Ah non. Oh! Mais lol! Ok, je me souviens de ce truc. Je me souviens de cette salle. Je me souviens de comment la résoudre. C'est assez fourbe. Donc, là, avec ce marteau, j'ai activé cette grille. Déjà, on va le buter, lui, parce qu'il vient de saouler. Oh! Il est en train de jouir. Il est mort! Et là, vous voyez, au-dessus de cette grille, on a un bloc du temps. C'est un indice. En plus, on a vraiment la partition qui s'affiche, donc si on comprend pas, on est vraiment débile. Et... voilà, ça nous ouvre la porte là-bas. Cette porte, elle a une caisse de vache. Et où est-ce qu'il y avait des caisses de vache dans le jeu? Orange Lonlon. Et qu'est-ce qu'on a appris Orange Lonlon? Le champ des Ponas. C'est l'une des rares énigmes du jeu à proposer un truc du genre en fait. Joue à plusieurs champs pour débloquer un truc. Voilà. Et là, on a un soleil. Et qui dit soleil dit... champ du soleil. Quelle surprise! Waouh! Sensationnel. Et j'ai ouvert celle-là, qui n'a aucune indication, donc c'est démerde-toi, trouve le bon champ. Tout bêtement. Non, c'est pas celle-là. Donc c'est celle-là. Forcément. Bingo! Et dans l'autre, faudra jouer le chant de... voilà, la berceuse de Zelda. Vu que le chant de Saria active Saria, donc on peut pas l'utiliser lors d'une énigme, je crois, du coup. Voilà. Et il pleut dans le donjon, nique la logique. Et j'ai subi aucun dégât de la part de ce rocher, incroyable. Oh la vache! Ça m'a surpris, disons. Bon, écoutez, les filles... bon, bah, c'était sympa. Hein, écoutez... voilà. La salle des arachnophobes. Et un rubis. Super! Ok, donc ce bâtard est là. Ce serait bien que la boule dégage. Ah, au fait, j'ai entendu dire que t'aimais bien les coups d'épée dans le cul. Oh, t'aimes ça? Voilà, t'es mort. Bon, du coup, on va continuer le donjon. On n'a pas le choix. On va repasser là. Yoink. Donne-moi de la mana, please. Non.
Est-ce que je peux grimper? Je suis pas sûr que je peux grimper. Ah si, je peux, je crois. Yes, je peux. Voilà ce que je pensais. Hop, et on va continuer la salle de tout à l'heure, qu'on avait ouvert avec une clé. On s'est dit, non, par là, c'est la suite. Enfin, que je me suis dit, parce que nous ne sommes pas seuls. De quoi? T'es quoi? Je suis bipolaire, de quoi? Hop, c'était cette salle-là. Et là, quand j'ai quitté la salle, on a bien vu la caisse tomber. Je la mettrai à... en surbrillance au montage. On va buter ces chauves-souris enragées. Oh, regardez, quand même, fonce dessus, c'est mignon. Oh, mais reviens. Reviens. Reviens, grognasse. Et là, c'est l'énigme bidon. C'est bonjour... Oula, par contre, ouais. C'est bonjour, viens prendre mes trucs. On va attendre qu'il revienne pour pouvoir le grappiner. Ah, je ne peux pas grappiner ça. J'étais sûr qu'on pouvait. Ah, on peut grappiner les trucs immobiles, d'accord. Il y a un lit magma en haut. Voilà, comme ça je l'ai, c'est gratuit. Ouais, je peux grappiner jusqu'en haut même. Hein, ouais. Ah, donne-moi de la magie. Et l'autre était juste là, je crois. Hein. Ouais. Normalement, j'ai pas de dégâts de chute là. Hein. Ce troll. Alors ça qu'on peut les grappiner, ça c'est grâce au speedrun de Zelda Ocarina of Time que je vois de temps en temps. Okay. Bah quand t'étais petit, bah tu te dis bah c'est pas du bois, on peut pas le grappin. Hein. Oh, il y a des têtes de mort sur le truc, j'avais jamais fait attention. Alors, il nous faut une clé. Qu'on aura plus tard. Mais à quoi sert cette salle, du coup? Parce que normalement, la salle du boss, la clé du boss était dans cette salle-là. Elle sert à rien, maintenant. Oui, la clé du boss était dans cette salle-là, en face de moi, qui est fermée à clé. Du coup, théoriquement, le coffre restant, c'est une clé. Forcément, hein. Non, c'est des vrais jars. Ok. Ah, j'allais dire, est-ce que je peux faire le glitch pour glitcher la porte? Et en fait, non, on peut pas. Ah, quoique. Attends. Là, il y a un soleil. Parce qu'il y a un bug qui permet de faire glitcher la porte. Mais... pas sûr qu'on puisse, là. Et du coup, grâce à ce glitch, cette dalle disparaît et je pourrais continuer le donjon. Ouais, non, on peut pas. Allez, la masse des titans qui va m'ouvrir la porte, les portes. Alors, bonjour. Wow. This was unexpected. Bon. Dévertis-toi. Voilà, que je te bute. Avant que le Lysalphos me spot. Bon, on va buter l'imagma. Voilà, c'est fait. Ah. Regardez, on a un truc là activé. Avec le bouclier. On va le faire tout de suite. Et ça nous a donné je ne sais pas quoi. Allez, tu viens ? Il a un bug dans ses yeux, non? Vous avez vu? Tout à l'heure, ses yeux, ils étaient affichés. Et pas là. Oh,
temps, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc, ceci désactive les flammes qu'il y a là-bas. Donc, je dois me manier le fion pour tourner d'un cran. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Pour tourner d'un cran le miroir. Et celui-là, je vais le tirer. Alors, je peux pas tirer. Je peux pas le tirer, le truc. Oh, what the fuck? Comme ça, alors. What the fuck? J'avoue ne pas comprendre. Ah bah là, ça marche. Bon, bah d'accord. Nique la logique. Alors, on va le retourner encore. Voilà, du coup, même si le truc n'est pas du tout éclairé, même si le miroir n'est pas du tout éclairé par cette merde, bon bah ça reflète quand même. Voilà. Il y avait un coffre là. Hop là. À moins que le coffre... Le coffre est invisible, du coup. Ouais. Et c'est le dernier coffre avec la dernière clé. Voilà. Bon, on va faire la salle qui était là-bas, parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y avait dedans. Même si elle ne sert à rien. J'espère juste que... Bon, au pire, je passerai en accéléré. J'espère juste que ça va pas me désactiver la salle. Alors, il y a quoi ici? Ok, donc là, il y a une scoutula d'or. On la voit. Je suis sûr qu'on peut la choper. Ça doit jouer au millimètre. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Allez, hein, sans rancune. J'ai même pas besoin de l'attaquer. De toute façon, il n'y avait aucun reward, donc voilà. Du coup, on va prendre ceci. Cassons les caisses, des rubis. J'aimerais bien des... Je sais pas, de la magie. Même si j'en ai pas besoin. Hop. Et que se passe-t-il? Oh là là, on descend. Du-du-du-du-du. Prends garde à l'ombre des monstres qui apparaissent au plafond. Viens. Come at me, bro. Dégage. Bref, et on a cette statue, encore une fois. Que Navi nous dit encore la même chose. Mais ce que Navi ne sait pas, c'est qu'on peut les friter avec la lumière. Et oui, car comme vous le savez très bien, les œuvres d'art se dégradent avec la lumière, tout ça, bon. Voilà. Et du coup, on arrive devant la salle du boss. Ouais, mais non. On va pas le faire maintenant. Voilà. C'est la fin de l'épisode. Et pour l'épisode 28, eh ben, on va finir ce donjon. Et ouais, on va peut-être faire un truc après. Ok, donc ben, rendez-vous dans l'épisode suivant et have a good day, bye bye.